Et bonjour, petite fougère de YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle VOD. On est à la suite de la précédente, mais on est sur une nouvelle session de stream. Nous, il s'est passé une nuit depuis le dernier live. On en est à faire un peu les quêtes secondaires, même si on avait repris un petit peu les quêtes principales pendant un temps. Là, je vais aller faire la quête secondaire du Renato, je sais plus comment on dit, qui m'attend juste ici, à côté, dans les gros trucs de stockage. On y était passé il y a un petit moment dans cette zone-là, et on s'était rendu compte qu'on pouvait pas avancer parce qu'il nous manquait des choses. Sauf que, bah depuis, on a récupéré les fameuses choses qui nous manquaient. Donc normalement, là, on va pouvoir pas mal explorer tout ce coin-là, ce qui devrait être plutôt cool, et nous permettre bah, potentiellement de bien avancer, en tout cas sur ce coin-là, à minima. Du coup, on vient ici, et là, il y a la rampe, voilà, c'est ce qui me semblait. Yay. Et on voit qu'il y a notre copain. Salut. Ah, te voilà, Sauge. J'ai failli attendre. Donc, les docks aujourd'hui? Pourquoi? C'est une étape immanquable pour mon étude, Sauge. Je ne pense pas que le consortium se plaisait à faire des croisières. Regarde la taille de ce monstre de béton. J'aimerais savoir à quoi servait ce port. Bah, vu tous les conteneurs, je dirais que c'est un port de stockage. Tu ne fais que voir la surface. C'est le cœur du système qu'il faut qu'on perce. En tant que chercheuse, je me dois de trouver des sources, à mes hypothèses. Et ces sources, je compte bien sur tes gadgets et ta mobilité pour nous les dégoter. Yay. Très bien. Bon, bah allons-y. Ah oui, tiens, c'est vrai que maintenant je peux débloquer ça, parce que j'ai le brouilleur, je sais pas quoi là. C'est pas le brouilleur, mais le hack. J'ai un freeze. Bah le jeu. J'ai un freeze du jeu, tiens. C'est la première fois que le jeu plante. Bah comme quoi ça arrive. Hein. Le jeu n'a jamais planté, mais là j'ai bien l'impression qu'il a planté. Ouais, et il veut pas s'éteindre. Génial. Bon, gestionnaire, caravane sandwich. Ah, ça y est, le jeu a crash, mais la musique est toujours là. Non, c'est pas. On va relancer. C'est très 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 rare. Enfin, c'est même la première fois que le jeu plante. Ça ne m'était jamais arrivé qu'il lâche. Donc comme quoi c'est possible, mais j'avoue être quelque peu pris par surprise. Allez, relance-moi le jeu. Merci. Et alors, par contre, où est-ce qu'il va avoir enregistré? Ça, c'est la petite question. Où est-ce qu'il va avoir enregistré? Espérons. Au pire de façon, au pire des cas, là où on a rechargé, c'est-à-dire la base juste à côté, ça devrait aller. Ça devrait aller. Allez, chargement de la sauvegarde. Je viens de tomber sur le passage d'Anes Jaoui dans 28 minutes qui nous fait sa version du Il y a viol et viol. Oh non mais... C'est le sujet de la journée, c'est ça? Oui, parce que du coup, les gens de la rediff YouTube, avant de lancer Caravan Sandwich, on a eu la chance, malchance, je ne sais pas, de regarder un petit react sur une prise de position extrêmement nulle à chier sur le viol de Charles de Consigny. Bon, après, on va dire, on n'est pas très étonné parce que Charles de Consigny, du coup, voilà quoi, enfin, niveau grosse merde, c'est un peu le principe quoi, ce type-là. Mais néanmoins, le jeu replante. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait deux fois que le jeu y plante, pourquoi? Pourquoi? Le jeu replante. Le jeu a replanté. Ah! Et le jeu a déplanté. What the fuck? Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas qui est Charles de Consigny, mais il a un joli nom de droite. Ouais. Bah, meilleur mec de droite. À base de, quand on parle d'agression sexuelle, on rentre dans l'émotion, on ne sait plus si c'est une main sur le genou ou un viol caractérisé. Oh, mais ferme. On dirait qu'il chargeait les conteneurs des déchets.
Celui-là était prêt à partir, mais il semblerait que le bateau n'avait jamais passé. Archives des docks. Cette caisse contient probablement les informations sur les docks, à en croire les étiquettes. Pourquoi est-ce que les archives étaient parmi les déchets? Je devrais les ramener à Hila. Ok. Bon. Espérons que par contre, il va pas plus me faire des plantages nuls. Ceci dit, maintenant que j'ai la poulie motorisée, je sais pas quoi, je peux venir ici. Voilà. Non, je me suis planté. Voilà. Tac, tac, très bien. Là, ça s'est cassé la gueule, très bien. Là, pour l'instant, c'est désactivé. Là, ici, je peux monter là-haut et je suis curiosité, donc je vais monter là-haut. Alors après, je pense que c'est pas maintenant, en vrai. En vrai de vrai, je pense que c'est pas maintenant. Je peux pas m'empêcher d'être la curiosité incarnée, vous voyez, mais... Ok, et ça m'amène là-bas, où je suis déjà allé en soi. Donc, là, a priori, on s'en fout. Ok, là il y a des trucs qui m'intéressent à aller voir. Ça c'est pas ouvert parce qu'il n'y a pas l'énergie. Tiens, ça je ne sais pas comment l'activer. Donc il va me manquer encore un artefact, un truc magique que je n'ai pas encore. Intéressant à savoir. Intéressant à savoir. Ok. En attendant, on continue d'explorer viteuf. Ça, c'est quoi? C'est un robot? C'est un vaisseau? Oui, c'est un vaisseau. Ok. Très bien. Ma foi, pourquoi pas. Ici, il y a des petits cadeaux. De la musique. Ok, petite musique qu'on a trouvée, why not? Revenons par ici. Revenons par ici. D'ailleurs, est-ce que je peux fouiller un peu des choses par là? Vous savez, hein, je suis à curiosité, je veux tout fouiller! Tout! Apparemment, il n'y a pas grand-chose. Apparemment, il n'y a pas grand-chose. On va redescendre par là. De manière un peu impromptue, certes, mais voilà, ça passe. Très bien. Très bien, très bien. Là, il y a un petit cadeau. Je prends le petit cadeau. Ici, il y a des petits cadeaux aussi. J'aime les petits cadeaux. Voilà, j'ai pas mon véhicule, donc ça ne marche pas. C'est bon, j'ai assez de composants pour le câble énergétique. Avec, ça va remonter le moral de Nefle, ça. Direction le garage. On va lancer cette construction. Ok. Ok. Alors en vrai, c'est bien, mais... Voilà. Moi, je veux déjà ça. Je me pose une autre question. Où est le passage? Ah! Ça, c'est le passage que avant j'avais pas. Et que maintenant, j'ai. Ok. Très bien. Très bien. Alors, ça, vas-y, déjà, on allume. J'ai rien de plus ici. Là. Tac, tac, tac. Il y a une sorcière au bout. Je l'ai vue, elle était là quelque part en dessous. Je l'ai vue. Je farfouille un peu partout, hein, comme d'hab. Ok. Ah, très bien. Je ne pouvais pas sauter assez loin. Par ici, est-ce qu'on voit des trucs? Mais je suis pas folle, la sorcière était là. Je l'ai vue. Un piège, en fait. Ah, c'est peut-être bien un piège.
Mais en vrai de vrai, hein, moi je pense que c'est ma sœur surtout. Je pense très fort que c'est ma sœur. J'ai pas entendu un bruit genre de robot ou quoi. Ou j'ai rêvé. J'ai peut-être rêvé. J'ai peut-être rêvé. Ma foi, c'est pas grave. C'est point grave. On continue, on revient par ici. Là, il n'y a rien. On peut monter l'escalier. Ouais, on peut monter l'escalier. Très bien. On arrive ici. C'est incroyable ici. Il y a toute l'électronique qu'il me faut. Mais quel endroit angoissant quand même. C'est le souterrain le plus lugubre que j'ai vu. Mais attends, la sorcière, elle me guidait en fait ? Mais ça serait pas ça le robot. C'était ça le robot. Transformateur. Mais oui, c'était elle ! C'était la même sorcière qu'il y a 40 ans. Attends, comment ça la même sorcière ? Il y a 40 ans, j'ai vu une sorcière comme elle. Enfin, elle m'a dit qu'elle était une sorcière. Elle cherchait un réceptacle, mais il n'y en a pas ici. Il a été déplacé ailleurs. Quelques jours plus tard, la tarasque a arrêté de répondre, et personne n'est plus venu me voir depuis. Étrange coïncidence. Mais attends, t'es dans ton coin depuis toutes ces années ? Oui, mais je m'ennuie pas. Je suis en pleine réflexion sur l'épistémologie historique. Il faut dire que j'ai plus beaucoup de travail en ce moment. Drôle d'idée de mettre un robot conscient dans un transformateur électrique. Toi aussi tu trouves ça bizarre ? Ah, c'est pas que moi ! J'imagine que c'était la mode à l'époque. Est-ce que ça te dirait de sortir de là et d'intégrer le refuge ? Oh mais, je n'en demandais pas tant ! Mais certainement, je vais pouvoir leur partager quelques réflexions. Aucune conscience disponible pour le démarrage. Voilà, donc c'est bon, on a récupéré ce qu'il nous fallait. J'ai le petit robot. Yeah. La fameuse sorcière est très clairement la Sand Witch. Oui. C'est peut-être aussi une personne à croquer, mais c'est surtout une sorcière des sables, oui. On a récupéré tout ce qu'il fallait. Yo. Voilà. Je ressors. Tant que j'y suis, je vais aller reprendre aussi à gauche la porte puisqu'on l'a débloquée. Ce serait dommage de ne pas le faire. Yeah. Revenons par ici, petit escalier. Hop hop. Revenons par ici. Hop hop hop. Et il y a les derniers composants qu'on avait vus dans le coin. Il y en a hein, des composants ici, bordel, c'est rempli. Donc il y a un truc au-dessus qu'on peut pas activer pour l'instant parce que je pense que c'est le prochain artefact que je vais débloquer, en vrai. Je pense que c'est le truc qu'on va fabriquer là avec notre copain Nefle. Et voilà les archives, à toi de travailler maintenant. Superbe, je n'attendais que ça. D'ailleurs, je les ai trouvés dans un conteneur de déchets prêt à être expédié. Le consortium voulait peut-être cacher ses secrets avant de partir pour de bon. Tout fait sens maintenant. Je suis sûr que tu ne sais pas ce que transportaient ces conteneurs. Des panneaux solaires Helios, de vieux composants, je dirais des panneaux solaires Helios. C'est ce que je pensais, mais figure-toi que non. En réalité, il contenait les parties des capsules titanesques. D'après les rapports que je lis, la planète entière est couverte d'usines. Ça, ce n'est pas nouveau, le consortium a tout exploité de Cigalo. Désolé, mais je n'ai accès qu'à notre réseau mycélium local, je ne pouvais pas en être sûr avant. Chaque partie de la planète avait un rôle différent. Quel était le rôle ici ? Apparemment, nous sommes dans la région de la Tarasque. Oui, la Tarasque, c'est la machine à l'origine de l'accident, de la tempête. C'est ainsi que vous nommez l'anomalie ? D'après les archives, Tarasque signifie tireur automatisé, révolutionnaire, astronomique, d'appareil supra-kinétique. J'ai pas entendu que c'était un gros canon électromagnétique pour envoyer des trucs, ouais. C'est donc à ça que servait la parabole, à calibrer le canon. L'usine Labotech en fabrique les modules à envoyer. Et les docks, ils recevaient les pièces des capsules qui enveloppaient ces modules. On y est presque, mais la clé de cette histoire, c'est de mieux comprendre ce qu'est la Tarasque. T'es sûr qu'on ne s'attaque pas à un sujet qui nous dépasse ? Absolument pas, Sauge. Je te donne bientôt un prochain rendez-vous. Ok. Je me demande à quoi ressemblaient ces véhicules des mers. Cette planète est si vaste que je n'en connais qu'un seul morceau. Très bien.
Écoutez, on avance. On avance. On avance bien. On avance même plutôt pas mal du tout. Donc ça, c'est bon pour l'instant. Ici, on a les consciences oubliées. D'ailleurs, en vrai, j'aurais regardé la carte. Donc là, on a récupéré. Là, on a récupéré. Et il nous reste ici à Labothèque encore un... Ah non, il y a aussi les quartiers. Ah non, mais il y a là-bas aussi. Ah non, mais en fait, il y a plein d'endroits. À l'aqueduc, je suis censé récupérer normalement un TP. Et j'y suis... Enfin, je l'ai jamais fait, en fait. Donc, en vrai... Je pense qu'on va peut-être aller à l'aqueduc pour récupérer le fameux TP, histoire que ce soit débloqué. Ça me semblerait être un bon point, en vrai. Un très très bon point même. Là, c'est là où il y a les robots. Ouais. En soi... En soi, est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose avec... Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Je pourrais venir déposer des consciences, mais vu que je les ai pas toutes récupérées, je pense que je peux encore attendre. Nous, on va vouloir monter là-haut directement. Hop. Voilà, on va monter directement en haut. Parce que je me demande si je peux pas activer d'autres relais maintenant. Ah ! Oh, l'infamie ! Traîtrise ! Je pensais pouvoir aller directement là-haut et en fait ça m'a lâché juste avant. Quelle infamie. Ah ouais, non, t'as pas envie. Il veut pas. Le jeu a dit non, non, tu ne passeras pas comme ça. Quelle infamie. Tant pis. On va passer par ailleurs. Hein. On va passer par ailleurs, on va grimper ici et puis voilà. Ils ok, ça le fait aussi. Ça le fait aussi. Touk touk touk. Touk touk touk. Là. Ah bah il est là le... Oh! Et du coup ça me met les TP. Comme ça. Intéressant ça. Et là on est d'accord que je peux pas les activer. Parce que pour l'instant ils sont déconnectés. Donc en soi le TP est déjà actif et il nous met bien les différentes régions. Ça c'est intéressant. Ça c'est pas mal intéressant en vrai. C'est rigolo la manière dont ça fonctionne. Ok. Allez monte. 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 Ok. Et ici est-ce que je peux activer le reste ou pas encore? C'est un peu la question existentielle. Non, pour l'instant, je peux pas. Ok. Soit, acceptons-le dans notre cœur. Hop, venons ici. Oh, là, il y a un truc que le véhicule peut modif. Alors après, la question qui se pose, c'est comment je vais faire? La vigie de l'aqueduc. Oh. J'arrive sur des coins où je n'avais jamais été allé. Un petit coin de... De tranquillité. Bon, littéralement face à la tarasque. Hein. Par contre, là, c'est vraiment t'es devant, quoi. Après, ça a une certaine classe, ceci dit. Vu que c'est une tempête éternelle et qu'il n'y a pas l'air de bouger plus que ça, c'est quand même un peu classe. Et c'est vrai que se trouver un petit point de vue où tu vois juste l'énorme tempête, ça doit quand même rendre plutôt bien. Ça doit rendre quand même plutôt pas mal du tout. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, par contre, l'ambiance du jeu, je trouve vraiment qu'elle marche très bien. Vraiment, l'équipe qui est derrière a fait un très, très, très bon boulot. C'est vraiment immersif, c'est vraiment agréable, je trouve. Alors là, il y a un véhicule. Qui a disparu dès qu'on a trop reculé, d'ailleurs. Un peu rigolo. Jamais venu de ce côté-là, je crois, d'ailleurs. Jamais venu tester. Parce que je sais pas comment est-ce que je vais pouvoir activer le plateau juste en venant dessus. Probablement juste en venant dessus. Faudra qu'on regarde un petit peu comment que ça marche tout ça. Là déjà on va looter. Là déjà on va looter. Et... Les archives de l'aqueduc.
Ah, bah ça, c'est ce que va nous demander notre copain à un moment donné. Sauf que, bah du coup, je l'ai pris de vitesse. Je l'ai pris de vitesse, j'ai déjà récupéré ce qu'il fallait. Alors, ici. Ok, je peux ouvrir la porte, très bien. Ça me fait une belle jambe. Mais j'ai pu ouvrir la porte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord, ça a ouvert ici aussi. En même temps. Is ok. C'est exactement le même modèle que le vaisseau de Garance. Je me rappelle que la première fois qu'elle est venue nous voir sur Cigalo à la fin de ses études, son vaisseau me semblait gigantesque à l'époque. Pas si grand que ça finalement. D'accord. Une petite navaine. C'est effectivement une toute petite navette, mais bon, écoutez, si elle marche bien, la navette, tant mieux. Par ici, poup poup poup. On visite. C'est quoi ça? Il y a des tentures. Il y a un petit coin. Attends, mais c'est l'atelier du Yuka? Elle m'a dit qu'elle faisait un peu de peinture, mais elle n'a jamais voulu me montrer quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'elle a peint? On dirait la Tarasque. Mais j'ai pas trop ça de sa part, s'isoler seule ici pour peindre cette anomalie. Elle qui est si rayonnante, elle doit avoir une part d'elle-même qu'elle ne montre pas. Quand j'y pense, c'est vrai que la tempête de la Tarasque marque les esprits. J'en rêve souvent, la nuit, même quand j'étais en station. Ok, regarde un petit peu ce qui traîne. Là. Hop, on a peut-être des cadeaux, genre ça. Ok. Très bien. Par ici, on a quoi? Juste un conteneur vide. Ok. On va continuer à explorer un tantinet. Ici, je suis jamais venu. Là, sur cette partie-là de l'aqueduc, je suis jamais venu. Je suis venu à côté, mais ici, non. Il y a des cadeaux. Oui. Un peu. Pas trop, mais un peu. C'est toujours ça de prix. Nous, on prend tous les cadeaux qu'on nous offre. Là, rien. Là, oui. Là, oui. On revient ici et ici. Très bien. Ok. Parfait. Là, je suis passé par ici, je pense. Oui, je suis passé par ici. Je me souviens d'être passé là-dedans. Ok. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un accès qui est fermé pour l'instant. Ok. Droite. Et mon véhicule doit être au-dessus. Mon véhicule doit être juste là au-dessus. Donc il y a un endroit où il y a un truc à activer, mais le problème c'est que je sais pas comment l'activer depuis là où je suis. Là, regardez, juste là. Ok, donc ça j'ai pu. En vrai j'aurais pu le voir d'ici aussi. Très bien, donc là. Juste à refaire le passage que j'ai fait tout à l'heure, en fait, complètement. Hop. Touk 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 touk. Cours, cours, cours. Et maintenant, c'est ouvert. Yay. Il y a des composants. Il y a des composants. Je vois rien, je vois rien. Le décor. Voilà. Ah, pas grand-chose, du coup, au final. Juste quelques petits cadeaux. Bon, après, c'est toujours ça de prix, hein, mais d'accord. D'accord. Je me suis jeté là où il ne fallait pas. Pas grave. On va revenir au camion direct. On va revenir au camion direct. Et ça, je peux l'enlever. On va se tirer, du coup? On va se tirer, du coup.
Je suis censé faire quelle quête là? Là, je suis sur les consciences oubliées. Donc, on va aller au Labotech pour trouver le souterrain. On va aller au Labotech qui est là-bas. Récupérer une des consciences robotiques qui doit y traîner et qu'on n'a pas récupéré pour le moment. Sauf si j'ai plus de mémoire et qu'on y est passé, mais je crois pas. J'ai pas souvenir, donc normalement, ça doit nous attendre. Je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? La botèque est... Oui, d'accord. Enfin, c'est ce que je pensais à l'époque. D'accord. Alors, l'accès au souterrain, il est où? Et du coup, je me souviens d'être... Ah! Venu ici. Ça doit être ça, l'accès au souterrain, effectivement. Ça a l'air. Comment on fait la suite? Ah non, c'est fermé, donc c'est pas par là. Là, il y a une échelle. Et... Là, je peux activer ça. Et... Il m'emmène ici, mais là j'ai rien à faire, je l'ai déjà activé. Par contre, il y a des trucs au-dessus. Donc, a priori, il va falloir aller au-dessus. Comment je vais au-dessus? Non, là je n'ai pas d'accès. Là-bas, oui. Très bien. Là, on vient là. Hop, on vient monter ici. Oh, d'ailleurs, j'avais une échelle que j'avais débloquée ici en raccourci. Oh là 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 là, je me souviens même plus des raccourcis que j'ai débloqués, quoi. Si c'est pas triste. J'ai tellement failli tomber comme un caca. Ça aurait été triste. Là, on n'a rien de particulier, mais là-bas, si. Là-bas, si. Il y a un cadeau, et là aussi, au-dessus. Ok, ok. Il n'y a rien d'autre, hein. On est d'accord. Non. Donc, on est d'accord qu'on peut pas tomber. Hein. Si, je peux me lâcher en plein milieu. Très bien. Intéressant à savoir. Intéressant à savoir. Donc j'ai pu récupérer les petits composants qui traînaient au-dessus. Comprenez que le loot, c'est important. Je ne peux pas ne pas tout looter. C'est pas possible. J'ai vu du loot, il fallait que je le récupère. C'est mon instinct. Hop. 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 Allez, et on monte ici. Cette fois-ci, allons plus vite. Donc je suis de nouveau là. On revient... passer par là. Cette fois-ci, en essayant de ne pas se faire une peur surprise, de tous les diables en tombant. Quoi, surprise, mais en fait, non, surprise. Mais le loot. Mais le loot, les gens. Le loot. Je peux pas laisser le loot de côté comme ça. C'est pas possible. C'est pour le bien commun de moi-même. Il faut absolument tout looter. C'est comme ça. C'est une nécessité. Ok, ici, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Je peux venir par là. Et il faudrait que je passe par là. Faut que j'aille de l'autre côté. Faut que j'aille de l'autre côté. Donc on va revenir encore pour changer. Mais non, en vrai, c'est normal. Hein. Je fais étape par étape, j'essaie de comprendre ce qu'il y a, j'essaie de me retrouver. Parce que quand on est venu ici, c'était il y a 4 jours. C'était vendredi. Donc je vous avoue que je me souviens plus exactement... que j'y ai fait à ce moment-là, et là on a beaucoup plus de possibilités que à l'époque où on était venu, donc il faut que je me retrouve un petit peu quoi. Ça je l'ai cassé, c'est bon. Ah non, parce qu'il faut que je vienne ici sur le côté. Comment tu passes là? Comment tu passes là?
Il doit y avoir peut-être un accès sur le côté. Il doit peut-être y avoir un accès sur le côté. Non mais je suis devant le van en fait. Billy, s'il te plaît. Oh oh oh, j'avais pas vu ça. Eddie, voilà. Par contre, celui qui est là-bas, je sais pas comment y aller pour le récupérer. Ah bah si, par au-dessus. Donc il faut que je trouve comment on y accède. Ah bah voilà comment est-ce qu'on y accède. Voilà comment on y accède. Juste en faisant ça. Et du coup, désormais... Hop. Si je viens monter ici... Tout simplement, la porte en face est ouverte maintenant. Yes. Yes, yes, yes. Voilà, regardez-moi ça. C'est ouvert, tout propre. Il n'y a rien ici, il n'y a rien ici. Je m'en doutais un petit peu, mais je voulais vérifier. On vient monter la petite échelle. Pou, pou, pou. On vient monter la deuxième petite échelle. Pou, pou, pou. Et on se trouve un joli petit coin. Alors, déjà, on prend le cadeau. Encore un campement nomade ici. Ça doit leur servir quand elle passe plusieurs jours à fouiller les ruines. Je me demande comment aurait été ma station si je n'étais pas parti en station. Ça serait peut-être devenu une nomade, moi aussi. Voyager, se lier avec la planète, ses conditions de vie. Ça aurait été dur, mais ça me fait un peu rêver. Et il y a de la musique. Ouais, la musique, why not? Par ici. On a ouvert un passage. Mais non, je voulais... Voilà. Je voulais récupérer le loot. Toujours le loot. Très bien. Par ici, du loot. Voilà ce que je voulais. Donc normalement, maintenant, en bas, ça sera actif, le souterrain. Et ça, c'est bien. Voilà. Ça, c'est un site d'atterrissage. Pas de vaisseau pour venir me chercher. Si Garance avait été là, j'aurais fait du vaisseau stop. Yes. Ça sert à quoi d'ailleurs tout ce loot? Ça sert à crafter les différents composants dont on a besoin pour avancer dans le jeu. Par exemple, le grappin qui nous a permis d'ouvrir la porte qu'on a utilisé juste avant. Ça, c'est quoi? C'est un coin de... D'accord. Très bien. Le radar, le fait d'avoir le hack sur le radar, le fait d'avoir la tyrolienne motorisée. Là, apparemment, la prochaine étape, c'est d'avoir une prise. En gros, on va pouvoir donner du courant à des endroits. Donc, bah, petit à petit, ça nous permet de débloquer tout simplement les différents petits puzzles qu'il y a dans le jeu. C'est ça, c'est ces composants-là qui permettent ça. Et en fait, tu peux les avoir de deux manières. Soit tu fafouilles partout comme moi, en récupérant absolument tout. Soit tu fais les quêtes, ce que je fais aussi d'ailleurs. Et quand tu fais les quêtes, bah en fait ça te donne des récompenses. Les gens sont contents, ils te filent des composants. Soit tu fais comme moi l'intégralité. Tu fais tout. Tu fouilles et tu fais les quêtes. Et du coup tu es rempli de moulas. Oh quand même ces points de vue, vraiment j'aime. Vraiment j'aime beaucoup. Je trouve que le jeu il a vraiment une ambiance incroyable. Je sais que je le dis à chaque fois, hein, mais en même temps c'est vrai quoi. Je trouve vraiment qu'il marche extrêmement bien. Il marche extrêmement bien en termes d'ambiance. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est vraiment très agréable. Très, 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 très agréable. Hop. Ça ne sert à rien, hein. C'est juste pour le plaisir de se caler là et d'avoir un petit point de vue. Hein. Et du coup, sert beaucoup pour moi, mais on se comprend. Là, est-ce qu'on voit des choses? Apparemment, non. On a récupéré ce que l'on pouvait, ce que l'on voulait. Il y a une tyrolienne qui est juste là. Qui m'emmène, du coup, pouvoir récupérer, yes, enfin, les composants ici. Yeah. Ceci dit, est-ce que j'ai tout fouillé en haut? J'ai un doute. Il n'y avait pas un passage que j'ai pas pris. Ah, il y avait peut-être un passage que j'ai pas pris. Attendez.
Je vais vérifier un truc. J'ai un doute sur un endroit. J'ai un léger doute sur un endroit. Je pense que j'ai tout pris, mais par acquis de conscience, je veux vérifier. Quand on était là, on est grimpé ici, très bien, et c'est ça où je suis pas allé. C'est là où je suis pas allé, mais j'ai rien à y faire, on est d'accord. Non, j'ai rien à y faire, je suis déjà venu ici. Ok. Non, bah on est bon. On est bon. Je vais pouvoir prendre le camion. Yay. Le piratage. Hop. Allez. Qui a posé les câbles tyroliennes? Ne pose pas trop de questions. Accepte dans ton cœur qu'il y a des tyroliennes magiques. C'est tout. C'est tout. Alors, farfouillons. Farfouillons. Ok. Là, il n'y a rien. Là, il y a les composants. Ah, ça, je peux pas l'ouvrir. Très bien. Ok. 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 Et là, il y a un petit robot. Très bien. Ça veut dire reviens plus tard, ça, très clairement. Je reconnais. Je reconnais le jeu qui me dit reviens plus tard. Je vais fouiller par ici. De toute façon, on va fouiller partout. Hein. Donc, regardez les composants. Ok, je suis ici. Ça, c'est fermé. Très bien. Ah, il va me falloir l'amélioration. Parce que l'amélioration, ça va être justement le fait de pouvoir mettre du courant. Et je vois qu'en bas, il y avait un truc. En écrivant ce message, j'ai appris qu'il y avait un Y à tyrolienne. Je découvre la langue française. Bah oui, en vrai, c'est chiant la langue française. On découvre des trucs un peu tout le temps. Hein. Et ils ok. Hein. Ok. Par ici, je peux aller jusque là-bas. Ça me fait une belle jambe. Ça me fait une belle jambe. Là, je peux monter. Mais pareil, je m'en bats un peu les reins. Quand même. On bat même très 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 fort les reins. Et ici. Pouk. Il y avait un truc là au milieu. Non. Par ici, rien de plus non plus. Oh. Ok. Là, il y a du vide qui fait peur. Wow, ça met nous, ça. J'ai de bonnes jambes, mais je saute pas là-dedans. Hein. Un aller simple vers le cœur de Cigalo. Ouais, comme on sait qu'il y avait des énormes mines et qu'ils ont vraiment miné l'intérieur de la planète, c'est peut-être un accès aux mines. Peut-être bien un accès aux mines. Ok. Donc ça, il va me falloir l'item que je n'ai pas. Pas encore en tout cas. Et c'est ce qui me permettra de débloquer ici. Donc en gros, très clairement le jeu me dit « Ouais, ouais, casse-toi. T'as rien à faire là pour l'instant. T'as rien à faire là, va voir ailleurs si j'y suis. Is ok. » En vrai, les quêtes temporaires, on les a finies. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement d'aller compléter la quête principale. En vrai, c'est peut-être le truc le plus simple. Parce que en allant compléter la quête principale, ça va me débloquer l'outil qui me manque. Donc ça me semble un bon plan en fait. Ça me semble un bon plan. Vu qu'on a fait les quêtes temporaires, on est bien. Donc YOLO hein. YOLO. Allez. C'est vrai que c'est des grandes capsules quand même, hein, tout ça. D'ailleurs, j'ai absolument pas fouillé ces capsules-là. Si elle se trouve, il y a des trucs incroyables à trouver et je les ai pas fouillés, donc... Hop. Le campement des nomades est juste là. On continue. Allez, attends. Tu veux que j'aille... L'objectif, c'est à l'aqueduc. Pourquoi tu veux que j'aille à l'aqueduc ?
Pourquoi tu veux que j'aille à l'aqueduc? Je vais suivre ce qu'il me dit, l'objectif, mais ça m'étonne un peu. Pourquoi tu veux que j'aille à l'aqueduc? Bah, on va voir, hein. On va voir où est-ce qu'il m'emmène. C'est par là que tu m'emmènes ou pas? Pas vraiment. Faut que je monte. Tu veux que j'aille voir quoi? C'est ça que tu veux que j'aille voir? C'est ça que tu veux que j'aille voir, mais... Quelle jambe là? Attendez. Et coucou non Bibi, bloqué par la quête principale dans la collecte et l'explo, continue, je connais bien. Coucou tout le monde, ben, j'espère que tu vas bien, en tout cas aussi bien que possible. Reconcentre-toi sur les réceptacles, je t'avais envoyé les instructions plus tôt. Va voir le premier relais qu'on a activé et vois si tu peux suivre son rayon de données. Son rayon de données, je l'ai suivi. Je l'ai suivi et ça m'a débloqué un accès dans un souterrain que j'ai fouillé. Et ça m'a rien donné de plus. Donc je pense qu'on va aller prendre le réceptacle, on va aller améliorer notre outil. Et on va voir à ce moment-là. On va voir à ce moment-là. Parce que là je suis un peu perplexe. Là comme ça je suis un peu perplexe. Le garage ça doit être là? Oui. Ouais, salut! Ah, voilà les plans du câble énergétique. Nefl a noté. Pour alimenter les vieilles machines à partir du van. Personne n'a de tâche pour moi. La fabrication de l'outil va prendre plusieurs jours. Après cela, la population de Sigalo sera passée à autre chose et il ne sera plus possible de l'aider sur ses problèmes actuels. Assurez-vous d'avoir fini tout ce que vous vouliez faire dans ce chapitre. Sur l'outil. Et j'en profite pour boire un coup. Accrochage. Jour plus 15 depuis le message de Garance. Transformateur relais. Combiné au grappin, cet appareil permet de rediriger la batterie du van à travers son câble. Pfiou, ok, c'est bon. On a réussi à le construire, ce dernier outil. Ouais, c'était pas facile. Mais au moins, avec tout ça, on va retrouver les derniers fragments. Ouais, on s'approche de retrouver Garance. Mettre enfin le jour sur cette histoire. Bon, allons le tester, ce câble énergétique. Sauge, est-ce que t'es prête à faire l'ultime sacrifice pour la science? Ah, parce que ta poulie motorisée n'était pas déjà assez dangereuse? Cette fois, c'est différent. Tu me fais peur. On va installer sur le van un câble qui te permettra de rediriger l'énergie de la batterie. Comme ça, le véhicule pourra servir de source d'énergie. Et alimenter les systèmes défectueux, t'es trop balèze. Testons d'abord si tout marche comme il faut. Je vais faire comme si j'avais pas les jetons. Oui. Hop. Ok. Yay. Hop là. Donc là, t'es alimenté, Coco Elastico, c'est ça. Si je viens ici, pouf, pouf, pouf. Alimenté ici, donc je peux monter parce que la passerelle est ouverte et YOLO. Cool, avec le câble énergétique tu devrais pouvoir trouver les derniers fragments. Ça marche. Je retourne à l'aqueduc et j'active les derniers relais. Surtout, baisse pas les bras. Je vais gérer ce problème de sorcière des sables. Merci Nefl. Garance, c'était tout pour moi. Je laisserai rien t'arriver. Allez, je retourne à l'aqueduc. Ok, bon. On va bien finir par trouver le bon fragment. Je ne perdrai plus personne, plus jamais.
Neft, de quoi tu parles? On va la retrouver, Garance. Oui, j'espère. On va faire qu'une bouchée de cette sorcière. Mais non, mais c'est tellement fortement ma sœur que... Enfin, voilà. Anyway, on a des quêtes... on n'a pas de quêtes temporaires. Pas cette étape-là. On approche de la fin de ton contrat, Sauge. J'ai encore besoin de ton talent. Une dernière fois, je suis à l'Aqueduc. Bah, du coup, j'ai déjà débloqué le truc, donc je vais pouvoir les donner direct. Rappel, jour 18 depuis l'envoi du signal de détresse. Le service de rappel prend fin immédiatement. La facture pour ce service vous sera envoyée prochainement. Génial. Génial. Bon, Aqueduc. Aqueduc. Hop. Voilà. Très bien. Je suis donc ici. Il y a notre petit copain qui traîne je sais pas où. En bas là-bas. Je le vois, je l'ai vu sur la minimap. Regardez, il est juste là. Waouh. Je me suis un peu jeté comme un caca dans le vide. Mais écoutez, ça compte quand même. Tout va bien. J'ai des mollets en acier. Incroyable. Sauge, mon assistante favorite. Mais comment tu t'y es si haut? Ça m'a pris du temps de monter, mais la vue est superbe pour mieux voir ces capsules. Regarde ça, Sauge, ce sont les capsules qui provenaient des conteneurs des docks. Elles ont l'air vides pourtant. Effectivement, celles-ci n'ont jamais servi. Mais j'ai le pressentiment que la ruine à côté de laquelle elles sont entreposées est la clé de notre affaire. Il va falloir que j'explore toute la ruine à la recherche d'archives, j'imagine. Un sens de la perspicacité affûtée. Ça va t'emmener loin, Sauge. Si on trouve les informations que je cherche, tu seras libre de tes fonctions, Sauge. Et nous pourrons organiser une grande fête pour célébrer la fin de mon étude. Une fête? Je ne croyais pas qu'on allait juste finir et se dire au revoir quand même. Pour un jeune Renetto comme moi, achever un exploit comme celui-ci est un rite de passage. Enfin, on en parlera après. Trouve d'abord les archives de l'Aqueduc. Ne te fatigue pas, je les ai déjà retrouvées. Et dire que j'ai failli recruter Olivier à la base, t'as bien fait de revenir. Pauvre Olivier. Sauge, nous y sommes. Quelle était l'utilité de l'Aqueduc, penses-tu? Combiner les relais de réceptacles à transporter de l'eau, j'irai à combiner les relais. C'est effectivement mentionné dans les archives, mais cela serait hors sujet pour notre étude. En réalité, l'Aqueduc semble avoir deux fonctions. La première était d'être le centre opérationnel principal de la région. Ainsi, les ingénieurs pouvaient contrôler les docks comme le Labotech et toute leur flotte de robots. Mais c'est la deuxième fonction qui est intéressante. Il semblerait que l'Aqueduc soit l'entrée d'un tunnel en direction de la Tarasque. Il doit être effondré depuis, mais tu comprends ce que ça veut dire? C'est par ce tunnel que passaient les capsules? Exactement. Les mines envoyaient des ressources au Labotech pour fabriquer les modules Helios. Les docks réceptionnaient les morceaux de capsules qui enveloppaient ensuite les modèles Helios. Les capsules passaient par l'Aqueduc et allaient jusqu'à la Tarasque. Parabole s'assurait que la Tarasque avait les bonnes coordonnées de tir. Et la Tarasque, une fois chargée, elle projetait des capsules droit vers le soleil. Cette machine était plus importante, la plus importante de toutes pour le consortium. Je crois que c'est pour ça qu'ils sont partis après l'accident. Les derniers rapports indiquent qu'il serait trop coûteux de réparer la machine. Apparemment, la chaîne de production n'était plus assez rentable. D'ailleurs, je lis qu'à cause des puissances magnétiques de la Tarasque, très peu d'infrastructures se trouvaient proches. Apparemment, le reste de la planète est bien plus industrialisé qu'ici. Ça fait froid dans le dorsum. Tout ça pour ça, donc. Pour le projet Helios. Pour des milliards de modules en orbite autour du Soleil. Pour une énergie infinie qui nourrit le mode de vie des stations. Assécher votre planète, la ronger et partir quand la rentabilité n'est plus là. Ainsi sont faites les choses, Sauge. Je ne pardonnerai jamais le consortium, tout comme aucun Renetto. Mais il faut aller de l'avant. Bon, c'est pas tout. Mais mon étude est prête. J'ai une fête à préparer. Tu ne perds pas le nord. Jamais, Sauge. Les Renetos peuvent détecter les pôles magnétiques. Retrouve-moi à la grotte pour faire la fête. Ok. Bon bah ça, c'est fait. Yes. Yes, yes. Radna Fuscus, j'ai fini mon étude. C'est donc ce que tu faisais depuis tout ce temps. Très bien. Bah écoutez, ça c'est fait comme on dit. Oh, cadeau. Bon, après je pense que j'en ai plus besoin maintenant, mais voilà.
Néanmoins, on va venir se TP ici, dans le véhicule, parce que je vais descendre avec pour aller faire ce qu'on avait débloqué juste avant, mais qu'on pouvait pas activer parce que on n'avait pas le grappin électrique là. Hop là. On vient. Non, attendez, je suis en train de réfléchir, mais c'est pas ici. C'est pas ici. Pff. Il y a eu des ponk-ponk. C'est pas ici, c'est plus loin. C'est de l'autre côté. C'est au Labothèque qu'on était. C'était au Labothèque. Allez. Bon, après, tout est relativement proche, donc ça devrait pas trop poser de problème non plus, hein, on va pas se mentir. Voilà. Parfait, c'est ouvert. On descend. Ah ! Il y avait un truc juste ici que je n'ai absolument pas vu et pas pris. Si c'est pas tonteux. Je suis passé à côté, mais alors vraiment, genre, YOLO ! C'était un composant rare quand même. Donc, nous disions... Hop là. Donc, j'ai ouvert là-haut. Touk, 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 touk. La porte, maintenant, elle est ouverte et c'est très bien. Je peux venir ici, pouf. Je peux venir ici, pouf. Je peux venir récupérer ça, pouf. Là également, voilà, parfait. Si je descends... Wouh ! Yay ! Alors, est-ce qu'il y a des composants ? Non, rien. Juste le robot. Allez-vous-en, organique ! Je me désactiverai moi-même avant de descendre dans ces mines. Ok. Si je te propose de monter à la surface plutôt. Les robots éveillés du refuge veulent créer un serveur pour sauvegarder les robots de Cigalo. Les fanatiques du refuge, tu veux dire? J'ai capté quelques transmissions. Et elles veulent créer une singularité sur Cigalo. Bah, pas ce qu'on m'a dit. Eh oui, si ça se trouve, on va avoir des commandos anti-robots sur le dos. Le consortium rigole pas avec ça. Mais au fond, on n'a plus rien à faire. Vas-y, copie-moi sur ton appareil et finissons-en. Ça fait 40 ans que j'attends de rencontrer un autre signe de vie. Et on m'envoie une humaine. Bon, écoute, je fais de mon mieux. Rentre là-dedans maintenant. Voilà, très bien. On a récupéré une IA de plus. Yay. Il m'en reste encore une, je crois. Il doit m'en rester une au niveau... Ah, c'est fermé ici maintenant. Une au niveau de... En vrai, on va faire ça. Les quartiers. C'est dans les quartiers que je suis pas passé, tout au nord. Ah non, il y a un autre souterrain également, qui est au niveau de Rose. Ouais. Peut-être Rose aussi, du coup. Ah, j'ai reçu un message, ceci dit. Alors, attendez, on va le regarder. Je vois que tu as sauvé presque toutes les consciences. Tu y es presque. Donc non, on n'a pas encore sauvé tout le monde. Là, ça a été récupéré. Là, ça a été récupéré. Là, on vient de récupérer. Donc, prochaine étape, c'est là-haut. Par contre, ça, vraiment, je comprends pas comment je suis censé suivre le truc. Parce que j'ai suivi. J'ai suivi et je suis un peu coincé. Bizarre. Bizarre. Bizarre un peu ça. Ouais, bizarre un peu. Je vais essayer de reprendre un peu ça. Parce que ça me perturbe en fait de pas trouver les trucs qu'il faut. Que la quête soit toujours là-bas, c'est étonnant. C'est assez étonnant. Vous voyez que là, j'ai activé un premier relais qui m'a envoyé là-bas. Sur le refuge, en l'occurrence.
Et je vais monter ici. Tout en haut. C'est tout en haut que je dois aller. À moins qu'il faut que je rappuie sur le premier, mais non, parce que je ne pouvais pas rappuyer sur le premier. Donc c'est bien quelque part ici que je suis censé faire un truc. Je pense que c'est bien par ici que je suis censé faire un truc. C'est juste qu'il faut que je trouve quoi. C'est juste qu'il faut que je trouve quoi. Il y a un truc ici que j'ai pas capté. Hop, ouais. De l'autre côté. Là, tac, tac, tac. Là, je continue à monter. Et ici, je suis venu relancer un relais vers là-bas. Et on est d'accord que je peux plus... Non, c'est tu vas là-bas ou pas plus loin. Mais, ici... Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, j'ai pas grand-chose, en fait. Là, il y avait un instrument de musique qu'on a récupéré. Je ne comprends pas ce que je suis censé faire, je vous avoue. Là. Je suis venu fouiller ici, moi. Je sais plus. Non. Pas venu fouiller. Et en vrai, je suis un peu curiosité de voir ce qu'il y a là-bas. S'il y a un passage, c'est pas sans raison en général. On va aller fouiller là-bas. Et c'est probablement juste du loot, hein, mais... Par acquis de conscience. Il n'y a même pas de loot. Il n'y a même pas de loot, c'est juste du décor. Voilà, très bien, génial. Ça ne servait donc à rien. C'était juste de la décor. Mais après, c'est bien d'avoir la décoration comme ça. Faut quand même que je trouve ce que je suis censé faire et où. Faut que je trouve ce que je suis censé faire et où. Il y a forcément un truc. Là, forcément, il y a quelque chose, quelque part, que je suis censé faire. Salut. Sauge, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te promets de plus jamais laisser le consortium désactiver un robot de Cigalo. Ok. Je peux venir déposer des gens. Conscience détectée, transfert en cours. N'oubliez pas votre récompense de composants électroniques. Très bien. Une conscience transférable. J'y travaille. Ok, donc là j'ai transféré des gens Billy. Mais je peux pas taper de discute avec elle. Bien. Quoi, qu'est-ce que tu me dis? Rien. Là en soi, tout ça c'est activé. Je présume que c'est une bonne chose. Je présume que c'est une bonne chose. Par contre, vraiment, je ne sais pas ce que je suis censé faire. Je ne sais pas ce que je suis censé faire parce qu'en fait, si on suit un peu la quête, il me dit d'aller à l'Aqueduc ici. Et j'y étais à l'Aqueduc. Et il n'y avait rien de particulier à faire. Parce qu'il me dit tu suis le réseau, en fait. Après, je peux suivre hein, le câble, le câble électrique qui m'emmène là-bas. Je peux le faire. Je peux le faire. Hop. Vous voyez, ça m'amène ici. Donc, suivons le petit chemin. Suivons le petit chemin. Qui m'emmène par là. Je vais y arriver. Là, t'as activé ça. Et ça, j'y suis déjà allé, en fait. Là, j'y suis déjà allé. Et on avait fait tout ce qu'il y avait à faire, normalement. Mais j'ai peut-être raté un truc, ceci dit.
J'ai peut-être bien raté un truc. Hop. Par exemple, là, est-ce que je suis monté? Ah non, je ne suis pas monté ici. Passer la journée à contrôler des cargaisons sous terre. Un peu rude quand même. Pas que ça payait bien, mais connaissant le consortium, j'y crois pas trop. Où les syndicats ont été dissous lors de la dernière grève générale. Mais c'était au début du projet Helios, il y a plus d'une centaine d'années. Ok. Donc effectivement, j'étais pas venu ici, la con de moi. Bon bah voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Wow! Impressionnant, hein? C'est top, t'as connecté les réceptacles. On va pouvoir aller voir ce que le consortium a caché dedans. Allez, monte! Voilà pourquoi. Parce que je suis pas venu ici. En fait, je suis passé à côté, mais je suis pas venu là-dedans. My bad. J'essaie de voir ce qu'on peut récupérer là-dedans. Mais je sais qu'il y a des codes d'accès quelque part ici. Vous pouvez me les retrouver, ce serait top. Vous voulez quoi déjà? Les codes d'accès doivent être quelque part ici. D'accord. Très bien. Regardons un peu ce qu'il y a autour. Ok. Allez. Ok. Touk. Ça pour l'instant non. C'est un petit casse-tête. J'aime bien les petits casse-têtes. Ouais d'accord, pour l'instant c'est bloqué ici. Hop 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 hop. Voilà. 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 Et le cadeau est là, fragment de la Tarasque, les codes anciens permettant de trouver comment se transférer à la Tarasque. Mieux vaut demander à Nefle. Oui, oui, oui. Déjà qu'on sait pas comment ça marche la téléportation dans cet univers. On se découpe en morceaux. Reconstitué après. Peut-être. J'ai un truc. Super. J'avance sur cette histoire de transfert. Mais il y a quelque chose d'étrange. C'est pas juste que le réseau est en mauvais état. Quelqu'un a volontairement chiffré les clés d'accès lors de la catastrophe d'il y a 40 ans. Encore le consortium qui veut protéger ses secrets industriels? Non. C'est ce que pensait Garance. Mais je me rends compte aujourd'hui que quelqu'un d'autre interfère avec les systèmes. Attends. Garance avait étudié le problème? Ouais. Garance avait tout étudié sur cette planète. Il faut que je retourne au garage déchiffrer ses codes. Mon réceptacle, je te rejoins. Ok. Ah, la sorcière! Elle a fermé la porte! Vite, le réceptacle. Attends, quoi? Oh meuf, à quoi tu joues? Où est Nefle? Je t'avais dit de ne pas te mêler à tout ça. Nefle a pu s'échapper, mais je te tiens. Mais, un sacré grain. Nefle sait jouer de la ruse, et elle a d'autres buts que ce que tu imagines. Est-ce que... Sais-tu vraiment ce qu'elle faisait il y a 6 ans quand ta sœur a disparu? Impossible. Et il aurait peut-être fallu lui demander plus tôt. Laisse-moi sortir d'ici. Jamais. Qu'est-ce qui m'arrive? Tout s'est arrêté. Garance. À l'aide. Et je me réveille donc dans ma chambre. Eh, y a fin de VOD là-dessus en plus, dis donc. Dis donc. On aurait voulu le faire exprès qu'on n'aurait pas réussi. Le mystère s'est passé, les dents. Parce que quoi si je fais échappe? Ok, je me réveille.
dans mon village. Ok. Bon, petite fougère de YouTube, on va s'arrêter là-dessus. Le mystère s'épaissit. Nous ne savons pas à qui faire confiance. Tout est un peu étrange, un peu surprenant. Mais nous allons découvrir le fin mot de l'histoire quand même. Nous allons continuer petit à petit. A priori, on a globalement débloqué tous les gadgets. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on est tombé sur un truc qui pour l'instant ne peut pas être débloqué avec ce qu'on a, je crois pas. Je crois que là on a accès à tous les gadgets qui nous permettent de faire à peu près tout ce qu'on veut sur la map, au niveau des petits mystères, etc. Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'on se rapproche quand même drastiquement de la fin, du déroulement final des événements, donc c'est plutôt pas mal du tout. Je continue à penser que la sorcière est probablement Garance, en vrai, ça ne m'étonnerait pas, en tout cas. Donc bon, on va voir. Petite fougère de YouTube, des bisous, à très bientôt pour la suite du Let's Play. Ciao ciao ciao.